Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un nouveau gâteau qui s'appelle le moelleux, les cocos, de la marque Sunday. En fait, j'étais en train de me balader à Lidl et je suis tombé sur ça, franchement, à 1 € le paquet de 5. 1 € le paquet de 5, j'ai trouvé ça pas cher, franchement. Donc, j'ai trouvé ça fin. Plus fin que le vrai Kinder Delice, on va le comparer. Franchement, j'ai trouvé ça plus fin. Mais finalement, il est plus fin, mais il pèse 42 grammes. 42 grammes contre celui-là qui fait 39 grammes et qui est plus épais. Donc finalement, au prix au kilo, ça revient un petit peu moins cher. On va dire celui-là, il revient un tout petit peu moins cher que le fameux Kinder Delice. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va l'ouvrir. Déjà le packaging, je le trouve assez joli. La boîte, je la trouve assez jolie. Bon, c'est blanc et bleu, alors que là c'est rouge, blanc et bleu. Donc on va l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir, évidemment, proprement pour la vidéo. Si j'y arrive. J'y suis arrivé à l'ouvrir à peu près proprement. Donc ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Donc on peut voir, ouais, il est bien plus fin que celui-là, franchement. Il est bien plus fin, je vais vous montrer. Vous voyez la différence d'épaisseur. Il est bien plus fin, mais il est un petit peu plus lourd que celui-là. Donc il doit être un peu plus consistant, on va dire. Donc, il y avait ceux de Carrefour que j'ai pas trop aimé parce que je les trouvais un peu trop mous. Le chocolat au-dessus, il était trop mou, à même température qu'avec celui-là. Et là, déjà, on se rapproche plus d'un Kinder Delice, franchement. Il y a la petite touche de chocolat au-dessus. Ici, il y a la couche de lait, la génoise. Et c'est consistant, franchement, voilà, c'est assez, on va dire. Et le chocolat, il est assez dur. Je vais comparer avec une bouchée de celui-là. Franchement, c'est difficile. Là, la copie, elle est bien faite. Je dirais c'est pratiquement pareil. Sauf que celui-là, il est plus tassé, on va dire. Il est moins aéré que celui-là. Donc franchement, j'ai été surpris. Quand je l'ai pris, je ne m'attendais pas à ce que ça soit une aussi bonne copie du Kinder Delice. Franchement, je m'y attendais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pratiquement copie conforme, un petit peu moins cher et un petit peu plus tassé. Donc voilà, bon point pour le Sunday, le moelleux, les cocos. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à très bientôt les amis des poteaux pour de nouveaux tests et avis alimentaires. Tchuss, merci d'avoir regardé.